Eh bien salut tout le monde, c'est Pharonium et aujourd'hui, content de vous retrouver sur Digimon Digital Monster Battle Spirit. Donc voilà, on va continuer un peu sur ce jeu. Et cette fois-ci, on va jouer avec Agumon. Donc bon, hop, hein, c'est parti, de toute façon, j'ai pas grand-chose à dire. J'espère que vous allez bien, ouais. Moi, ça va. Donc, hop, ça, on change à 180. Et puis bah, c'est parti, Agumon, voilà. Donc en Digimon, il nous reste bah, Agumon, Sukamon, Agumon noir, Lopmon et Hitmon. En sachant que je crois qu'il y en a encore un débloqué. Donc voilà. Il y a encore un Digimon caché, ouais. Donc c'est parti. Alors faut savoir que c'est pas mon premier essai sur avec Agumon. En fait hier j'ai essayé, je me suis fait avoir avec Impon, donc j'espère que là ça va mieux se passer. Parce qu'ils sont chiants avec Agumon, en fait les ennemis se protègent beaucoup. Mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, parce qu'Agumon a des attaques qui nous permettent d'enchaîner. Alors, vous voyez, hop, c'est encore protégé, voilà. Déjà son attaque de base ça nous permet d'avoir deux spirits, donc ce qui est quand même plutôt ce qui est quand même plutôt cool quoi. Ça nous donne un avantage. Alors bien sûr là, en ce moment je sais pas pourquoi mais les Digimon ennemis ont tendance à courir vers les enfin Digimon qui fait Digivolver là, je sais pas encore son nom. Et ouais, bien sûr, faut qu'il apparaît quand on saute. Enfin, ouais, voilà. Je sais pas ce qui s'est passé dans le jeu, mais et je sais pas. Je sais pas du tout, on va juste récupérer nos... Ok, d'accord, donc non, c'est bon, ils sont partis. Allez, hop. Ok, bon. On va essayer de la récupérer. Allez, hop là. Ah, quoique, je sais pas si on a réussi à la récupérer. Il n'y a pas le petit bruit. Ok, donc là c'est bon. Donc, vous voyez, ça nous fait déjà 3 spirits. Ça va quand même assez vite avec Agumon si on gère bien. Par contre, le combat contre Agumon est vraiment très difficile. Hein. C'est pour ça que je recommence en fait. Parce que je rappelle quand même, hein, le but c'est d'essayer de débloquer les personnages. Et de vous faire voir un peu à tout ce que, tous les persos du jeu. Voilà. Et là, bah voilà, ouais. Bon, bah ça commence bien, j'ai pas de chance. Bon, ça va, il a eu un moment de freeze, là. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Ok, ouais, bon d'accord, je fais dessus, allez, au revoir. On n'aurait pas y avoir de problème pour ce match-là quand même. Je pense pas. Ah, on n'a pas réussi à récupérer. On va voir ce qu'il nous donne lui. Ok, il nous donne ça, ça peut être pas mal. Ok, bon. Ouais, donc pour ça, pour les ennemis... bah, les ennemis normaux, il n'y a pas de problème. Vous pouvez d'ailleurs admirer l'apparence dégueulasse qu'a Agumon, enfin sa deuxième couleur. Ouais. En fait, il a une attaque, c'est celle en courant là. Comme vous pouvez le voir là, voilà, on enchaîne, mais ah non, là il l'a pas fait. Mais on a beaucoup de chance de se faire choper en fait, comme ça là, comme je viens de faire. Voilà. Du coup, c'est alors, hop, allez, viens là. Ouais,
Alors là, on va peut-être se faire choper. Ouais, voilà, on s'est fait choper. Et bon, pff, bien sûr, comme par hasard. J'ai vraiment pas de chance en ce moment pour les Digivolutions. C'est d'ailleurs à cause de ça que j'ai perdu contre Hitman. Parce qu'il me défonçait toutes les... Bah, il me laissait pas le choix, voilà. Voilà tout. Oula. Donc hein, on s'occupe de le... Je crois que je vais adopter une stratégie pour un plan qui consiste en fait à faire un match nul. Du coup, il va y avoir une revanche, ça va pas changer notre score, je crois. Et ça va faire recommencer le match, mais sans lui. Ce qui est quand même une option qui peut s'avérer utile. Si je vois que ça tourne mal. Ok, là on a récupéré pas mal de... Hop. Ah, cool, on a réussi à le toucher, on va aller récupérer. Donc là on sait... Ouais. On sait que ça va venir ici. La Digivolution. Allez, dégage. C'est à moi. Et là, normalement, on devrait arriver. Eh oh. Le jeu... Ah. Voilà. Là, cette fois, on va pouvoir essayer de prendre de l'avance. Voilà, bon, hop, ça c'est déjà fait. Là, on peut rester en l'air comme ça, hop. Voilà, donc on en a récupéré pas mal. Allez, on chope, on balance, ça c'est cool. Aïe, aïe, aïe. Oh. Et moi aussi je peux faire pareil, ça. Ah. Bon voilà, c'était assez simple quand même. Allez, Convemon. Alors dans le dernier épisode on jouait avec, avec Wormon. Si je me souviens bien, ouais, si je dis pas de conneries. En fait, Wormon a beaucoup de choses que les autres n'ont pas. Comme par exemple le fait qu'il n'est pas affecté par le sable, qu'il n'est pas ralenti par le sable. C'est quand même plutôt pas mal. Hein. Et qu'il peut aussi, bon, se coller au sol, ça, je sais pas si c'est vraiment très utile. Mais il a plein de petits trucs qui font qu'il est assez... qu'il est unique, en fait. Et assez pratique aussi. Ah, ah. Allez, toi aussi. Aïe, aïe, aïe. Bah non, mais... Si tous les... Bon, d'accord, là, Vemon va me... Oh oui, on a eu la chance. On a eu la chance qu'il ne soit pas pris par lui. Donc là, on va en profiter pour... Bah, enlever l'éventuel écart qu'il y a entre nous. Allez. Ouh. D'accord. Donc, ouais. Il a donné deux coups à gauche, alors que j'ai appuyé à droite, mais il s'est pas retourné. Il y a un petit temps de latence pour que le... Ah, pour qu'il se retourne, en fait. Allez, on va aller de l'autre côté pour attendre notre... Digivolution. Bon, d'accord. Lui, il m'a fait une petite farce. Et hop, on récupère notre spirit. Faut vraiment récupérer notre... Enfin, quoi que, hein, ça... Ça passe largement. On n'est pas forcément obligé de récupérer si on arrive à l'esquiver. Je parle à la Digivolution, hein, bien sûr. Et hop, voilà. Et bon. C'est moi qui l'aurai. Oh, merci. C'est sympa. Ah, il était gentil sur le coup, là. Hop là, voilà.
Hop là, voilà, on lui laisse même pas le temps de respirer. Hop là. Ok. Ouh, jolie esquive. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est bon. Ok, c'est bon, on a réussi à toutes les récupérer, on a 60. Aïe. Allez, allez. Ok. Normalement, ça devrait le faire. Ouais, largement. Vous voyez, il a quand même réussi à monter à 17. Hein. Ce n'est pas rien. Ah. Donc, ce sera ici. Mais écoutez, ça... Ah non, même pas. Ah non. Ok, bah écoutez. C'est soit la 4ème ou 5ème bataille que Hipmon arrive. Donc là, ce sera la prochaine bataille. J'espère vraiment que ça va pas tomber encore une fois sur Gilmon, parce que moi en fait je suis tombé sur le stage de Gilmon et ça s'est très mal passé. Ok. Donc là je l'ai. Et hop. Ah, ah non, c'est de l'autre côté. Ok, ça tombe bien, on l'a, c'est parti. Oh, allez. Allez, allez. J'adore le bruit que ça fait quand on frappe. Bon, quand on frappe les ennemis, ça fait... J'adore. Ah, on n'a pas eu le temps. Bon, tant pis. Allez, 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 allez. Aïe, aïe. Aïe, 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 mais c'est qui fait mal. Aïe. Bon, où est-ce qu'il est? D'ailleurs, je crois que si je fais ça... Ah oui, faut pas oublier ça, quand même. Allez, hop. Oh, il y a eu un petit bug de son, là. C'était sympa. Hop, ok, ok. Ah, je crois qu'il est là. Ouais, c'est bon, il est là. Ce qui va vraiment être cool pour le boss, c'est ça, là. On va pouvoir rester ici et attendre... qu'il soit dans notre ligne de mire. Pour pouvoir l'avoir. Ça va être cool, on va pouvoir doser, en fait. Mais encore faut-il passer Hipmon. Et ouais. Parce que si je le passe pas, bah... voilà. Ok, bataille terminée. On a 51 spirits. Normalement, ça devrait largement le faire. Ouais, largement. Et voilà ce que je voulais pas que ça qui arrive. C'est contre Gilmon. Cool. Génial. On va essayer de l'esquive. Parce que sinon ça va très mal se passer. Sur ce terrain là, j'arrive pas du tout. J'ai déjà essayé. Hein. C'est pour ça. Hein. Je retourne l'épisode. Je le répète. Et voilà. Ah bah, cool. Allez. On a déjà une spirit en moins. Il est déjà en train de gagner. Oh non, mais il y a la merde en haut. Là. Oh, et merde. Bon, il est à 3. On va compter à combien il est. Oh, une bleue. Non.
il est à 5. On va vraiment jouer sur la dévolution là, les gens. Donc 5, c'est toujours récupérable. Ok, on va en bas, espérant que ce soit de ce côté-là. Et non, c'est pas de ce côté-là. Donc là, vu le temps qui s'est écoulé, à mon avis... Ouais, voilà, il vient de l'avoir. Allez, là, ça commence bien. Donc il est à 6. 7, 8. Cool. On va l'attirer par là, mais non, mais... Oh là là, je suis... Donc il est à 9, hein. Il est à 9. C'est toujours attrapable, hein, 9. Oh là, il est à 11, ça va être un peu plus compliqué. Ok, c'est bon. Là, on va essayer de le rattraper. Voilà pourquoi cette map est horrible. Eh non. Bon, écoutez, voilà, c'est mort. Encore une fois. On est à 5, il a 11 ans. Voilà, bon, 12-13, cool. 14-15, 16-17, 18-19, mais oui, allez! Allez, voilà, voilà. Vous voyez, cette map est impossible. Il est impossible à battre sur cette map-là. Là, il va nous chope. Ah non, même pas. Normalement, il nous chope hein, tout le temps. Voilà, vous voyez. Là c'est mort, on a perdu, j'en ai rien à foutre, je recommence pas la vidéo, on continue. On débloquera aucun personnage. Mais là c'est bon, hein, Hypeman il n'a rien à foutre, j'ai pas les couilles. Hein. Et voilà, c'est bien, t'as gagné. Allez, dégage. Bon voilà, ça fait qu'on perd, oui, continue, oui, sauf que notre score est remis à 0. Bon, bon, mais enfin bref, c'est pas grave, hein. Allez, on va te défoncer, dégage. Voilà. Il a vraiment chuté en fait, Impound, c'est que il... les spirits sont attirés vers lui, quoi. C'est un truc de ouf. Et bien sûr qu'on le joue, hein, c'est pas comme ça. Hein. On n'a pas cette faculté. Ah bah voilà, bah cette fois ça se passe bien. Sauf que vu que cette map là est super chiante. Ok, 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 voilà. Oh, oh, génial. Ça, par contre, ça était bien. Bon, on va pas pouvoir récupérer les autres. Voilà, elles sont des pop. Allez la gueule, viens par là. C'est bon, je t'ai. Allez hop, on lui chip. Ah, cette fois il a décidé de partir. Cool, on a réussi à le frapper. C'est cool. Ah bah, bon. Ouais,
Voilà, c'est horrible. Cette map-là, je la déteste. Je l'aime pas. Bon, qu'est-ce que tu fais là? Ah, cool. Bon. Voilà, on va pouvoir continuer. Donc voilà, score 38, vous voyez. C'est revenu à 0. Donc avant-dernière bataille. Est-ce qu'on l'a récupéré ou pas? Alors je sais pas du tout ce qu'il va donner ce cas là à jouer, mais putain, on a réussi à toucher le pingouin derrière. C'est plutôt bien. Là, cool. Pile poil au bon moment. C'est cool ça. Ouais. Ah, il est là. Ok, c'est bon, on a réussi à le choper. Allez, hop. Bon, ce qu'il y a bien sur cette map là, c'est que ça donne un avantage, hein. Il y a aucun endroit où fuir. Enfin, bien sûr qu'on est un PC. Allez, hop. Il est assez drôle ce cas. C'est quand même. Hop là, on pique la digivolution, c'est parti. Aïe. Cool. Ok, ok. Aïe. Où est-il? Oh, on a bien fait de sauter. Donc là c'est bon, hein. Oh putain, ça commence. Allez, allez, Bon, ok, il est vénère là, Ronamon. Ou elle.
Non, et non. Et... Oh, c'est bon. Aïe. Ah, c'est là. Et oh non. Aïe, ah voilà. Wow, il est vénère. Bah, pourquoi? Ok, donc c'est bon, ça se passe bien. Ouh, 27. Ok, donc voici le combat contre le boss. Donc si je gère, ça devrait bien se passer. On a encore pas, enfin on a encore jamais perdu contre le boss. Ça serait dommage qu'on tame maintenant. Y'a qu'avec Agumon hein, que je perds contre Ikmon. Et Tetsukamon aussi, je me souviens plus. Ok, donc hop, on va commencer. Non, il va toujours à droite. Oh, on l'a échappé belle. Ok, donc il va directement derrière. Ok. Non. Ok, donc là, hop, il retourne encore derrière. Ah, cool. Donc, l'évolution. C'est bon, on l'a touché. Ok. J'aurais dû faire un coup normal. Oh, on a eu chaud. Bon, ça va, il est mid-life. Oh, bon, mid-life, ça va, hein. Ouais, ok, génial. On va pas trop taper, on va essayer de l'avoir en étant digivolvé, en fait. On va voir si c'est ça qui fait que... qu'on débloque des personnages. Parce que je me demande, en fait...
Voilà. Et hop là, c'est fait. On va aussi voir si, comme à la fin, à chaque fois, Ip Man, normalement, nous fait une petite farce. Et dans le dernier épisode, justement, il nous a rien fait. Voilà, j'ai du mal à parler. Il nous a rien fait et on a débloqué un personnage. Alors, bon, on va voir si c'est ça ou si c'est juste une coïncidence. Ce qui m'étonnerait, hein. Mais là, je doute fortement qu'on débloque quelqu'un. Ça m'étonnerait fortement. Ah, Ip Man, pas là. Non, mais écoutez, moi, en tout cas, je vais vous dire salut maintenant. Je vais vous faire mon petit au revoir. J'espère que cet épisode-là vous aura plu. Et puis, bah, de toute façon, je vais bien voir à la fin de la vidéo. Si, on a débloqué un personnage. En tout cas, salut tout le monde, c'était Pharonium.